tir, Mario. Oh, que... La précision de ce tir. Ayot à Bilodeau. Bilodeau qui est seul devant le gardien. Il va un tir et le but! Gabriel Bilodeau! Mais quelle arrête à part de côté de la bon. Le laver. La pointe. Le tir et le but. 3-20. De l'autre côté. Oui, il est bon. Bien sûr, un siège champion. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette nouvelle saison de la Source LNH. David, comment ça va? Ça va bien, toi? Donc, ben oui, ça va bien. De retour pour une quatrième saison à l'aube de la saison 2024-2025. Une saison qui s'annonce palpitante. On a, si vous habitiez sous une roche depuis 5 mois, donc il y a deux nouvelles équipes d'expansion qui vont débuter. Ça commence vendredi, donc le National de Québec et le Bataillon de Saint-Hyacinthe vont joindre aux 6 autres équipes pour former une ligue de 8 équipes. Donc, enfin, une ligue de 8 équipes. La première fois depuis 2015-2016 qu'il va y avoir 8 équipes dans la ligue. Donc, c'est très bon signe. Puis, c'est deux anciens marchés forts de la ligue, là, surtout au début, milieu des années 2000. Là, Québec et Saint-Hyacinthe, c'était des gros marchés. Donc, de les voir revenir dans la ligue, ça risque d'être vraiment excitant. Une 28e saison de la Ligue nord-américaine là, qui va s'amorcer vendredi. Mm-hmm. Et on a adopté là, des nouvelles couleurs. On a un background de studio. On est en studio quelque part en ce moment. On pourrait être n'importe où dans le monde. Et un nouveau style vestimentaire aussi. J'ai délaissé la casquette cette année. Là, donc, j'ai des cheveux. J'ai des cheveux. Pour ceux qui se demandaient. Très, très sharp. Donc, peut-être parler là, du nouveau format du balado cette année. On voulait un peu réduire à l'essentiel le balado. On voulait peut-être pas le réinventer, mais le travailler un petit peu. Je pense qu'à chaque année, on fait environ 50 émissions par année, quatrième saison. Si c'était toujours pareil, je pense qu'on s'ennuierait peut-être un petit peu. Je pense qu'avoir des invités, là, c'est tout le temps le must. Avec deux nouvelles équipes, en plus, on va avoir des nouveaux joueurs à découvrir. Il va y avoir des nouveaux partisans qui vont vouloir connaître la Ligue. Et puis, on a décidé de garder là, un petit 15 minutes de nouvelles au début. Donc, on a délaissé peut-être là, le segment d'analyse ou parler des parties qui sont passées. Je pense que de toute façon, les gens ont déjà vu un peu les parties, ont déjà eu le temps de s'obstiner un peu sur les derniers affaires qui sont arrivées 4-5 jours avant. Donc, on garde l'essentiel. Exact. Puis, on va essayer aussi, tu sais, quand on parle d'entrevues, d'y aller peut-être dans des entrevues peut-être un peu plus poussées, essayer d'aller chercher plus de croustillant là, au niveau des anecdotes et des histoires qu'on peut aller trouver. On peut peut-être une job de recherche un petit peu plus poussée de notre côté. Puis en parlant d'invités aussi, ça va être à voir là, au fur et à mesure que la saison avance, mais peut-être là, que cette année, ce ne sera pas juste des joueurs de hockey ou des joueurs de la Ligue nord-américaine qu'on va recevoir. Là, donc peut-être d'aller chercher une plus grande variété aussi à ce niveau-là, qui est quelque chose qu'on n'a pas... qu'on n'a pas encore eu là, depuis 3 ans. Inquiétez-vous pas, on va quand même garder là, les joueurs là, de la Ligue là, quand même régulièrement là, qui vont venir au podcast là, nous parler de leur carrière puis nous parler de leurs équipes, comment va la saison. Mais bon, on va essayer là, justement là, de changer un peu la routine, là, garder ça intéressant là, pour tout le monde. Parce que oui, ça fait, veux pas, ça, c'est déjà la quatrième saison qu'on a une hebdomadaire, comme on dit, là, pendant toute la saison complète puis les séries. Là, donc, ça va être essayer de trouver une façon là, de rendre ça, d'avoir un renouveau là, cette année, puis de garder ça intéressant surtout. Oui, exactement. Et pour relancer donc cette quatrième saison du balado, aujourd'hui, comme invité, on va avoir, maintenant il faut l'appeler le commissaire Jesse Girard, seulement commissaire, donc, parce que vous avez probablement vu là, dans les dernières semaines,
On a eu la nomination d'André Brassard à titre de directeur général. Donc, Jesse Girard, commissaire de la Ligue nord-américaine de hockey, va être avec nous dans les prochaines minutes pour discuter avec nous de cette saison là, qui s'en vient, des nouveautés. Est-ce qu'il y a des changements à prévoir là? Donc, si vous avez des questions à propos de ça, vous êtes à la bonne place ce soir. Ouais. Pour avoir vos réponses. Oui, exact. Puis c'est un peu une façon de mettre les bases sur la nouvelle saison. Donc, un petit peu un lancement non officiel, là, si on veut, là, de la nouvelle saison. Donc, ça va être le fun. On va pouvoir revenir sur ce qui s'est passé dans l'entre-saison, puis vers la fin de la saison dernière, notamment l'arrivée de deux nouvelles équipes. Comment est-ce que ça s'est fait, tout ça? Puis aussi, là, les projets, un petit peu, là, où est-ce qu'on s'en va là, dans. Au cours de la saison suivante. Donc, ça va être un petit peu là, de vraiment mettre les bases puis justement là, parler du positif aussi tout seul. On a connu une super saison au niveau des guichets l'an dernier. La visibilité aussi qui est grandissante, surtout avec l'arrivée de Saint-Hyacinthe qui a quand même deux propriétaires très présents au niveau médiatique. Puis Québec est un super gros marché aussi qui a eu beaucoup là, d'attention médiatique aussi avec le fait de s'appeler le national et tout, mais simplement du fait que c'est la deuxième plus grosse ville au Québec également. Donc, on va pouvoir jaser de ça aussi. Là, puis c'est de bon augure. Puis également là, de nos six châteaux forts là, de la Ligue qui ont tenu le flambeau pendant plusieurs années, là, qui ont maintenant de la compagnie. On va pouvoir en parler un peu aussi là, de ce qui s'est passé dans ces équipes-là pendant l'été. Quelques commentaires, là. Emmanuel Gagnon qui dit salut les boys, bon retour. Danny Charlotte qui dit du budget cette année, David a changé de décor, donc on n'a plus le cadre avec la fleur en arrière. Ouais, non, c'est... Puis, pour ceux qui vont s'ennuyer, peut-être une fois, David pourrait faire une exception et remettre son cadre en arrière. S'il y a de la demande, on va peut-être regarder ça. On puis Jean-Michel Tremblay, donc Jean-Michel Tremblay qui nous dit également vous avez l'air propre. Alain Dubois qui dit c'est du sérieux, les gars. Maxime Veilleux qui dit chic et beau. Donc yes sir. On commence bien la saison. Et tu parlais des six châteaux forts. Là. J'avais quelque chose pour toi peut-être d'entrée de jeu. Je ne vais pas m'éterniser là-dessus, mais c'est de parler des assistants. J'ai vu que ça discutait un petit peu. Dans les derniers jours, là, sur les réseaux sociaux, des assistances dernière saison. Donc, t'en as parlé aussi un petit peu, David, d'entrée de jeu, là, mais les assistances là, dans la Ligue l'année dernière, donc la moyenne des assistances dans le calepin à 7, donc j'avais écrit ça, ouais. À Rivière-du-Loup, 1400. On a à côté aussi les augmentations de pourcentage comparées à l'année d'avant. Donc, vous pouvez voir là, qu'il y a eu une nette augmentation et peut-être signifier que ça a été la meilleure moyenne là, depuis 2007-2008, depuis 16 ans, donc la moyenne là, des foules là, en saison régulière. Et puis, du côté des séries éliminatoires également, donc j'ai les chiffres ici. Dans le temps que Québec et Saint-Hyacinthe sont encore dans la Ligue. Oui, donc... Et ici, là, on voit là, il y a des moyennes qui ont pratiquement doublé là, chez les équipes. Et on a le nombre de parties également. Et c'est sûr qu'il y a des équipes qui ont joué moins de parties en série à domicile dernière saison. Mais c'est très haut. Et c'était également un record depuis la saison 2006-2007 qu'on n'avait pas eu une moyenne de foule comme ça. Donc... Ça promet pour cette saison. Là. C'est prometteur, puis tu sais, c'est sûr qu'on va espérer cette année d'avoir des chiffres similaires, mais je pense que c'est bien parti aussi, parce que quand on regarde, là, pas beaucoup de joueurs qui ont, qui ont quitté des équipes cette année, c'est sûr qu'il y a quand même eu quelques-uns, là, dont le meilleur pointeur d'histoire de la Ligue, Kevin Cloutier, mais c'est rajouté beaucoup plus de talent qui en est parti. C'est un peu là où je veux dire des joueurs qui ont pris leur retraite ou qui ont quitté la Ligue comparé à... C'est ça, exact. C'est rajouté beaucoup plus de talent qui en est parti. Puis c'est de bon augure aussi, surtout que maintenant, le talent avec deux nouvelles équipes risquait d'être un peu plus dilué. Bien, avec les plusieurs joueurs là, qui sont arrivés dans la Ligue, qu'on va pouvoir en nommer un petit peu là, tout à l'heure, là, mais que...
que justement, le niveau, même si on est à 8 équipes, je ne pense pas que ça va avoir dilué tant que ça. Au contraire, ça risque d'avoir augmenté. Mm-hmm. Il y a un message de Jean-Michel Poulin qui dit « Imaginez si Saint-Georges avait eu leur domicile pendant toute la saison. L'année dernière, ça aurait été encore plus haut. » Donc, on sait que leur endroit temporaire de l'année dernière à Sainte-Marie n'avait pas la même capacité là, que habituellement à Saint-Georges. Exact. On aurait peut-être... Ça finit quoi? C'était 1490? Une affaire comme ça, on aurait probablement poigné le 1500 de moyenne de la Ligue au complet si on avait eu le centre La Croix-du-Til disponible. Touche du bois, là, j'ai écouté l'entrevue que Jean-Michel avait faite avec Jesse Girard lors de l'entraque du match à Beauceville, justement, à Sainte-Marie, plutôt, samedi dernier. Match pré-saison. Donc, justement, là, on mentionnait qu'on allait probablement se rasseoir à la table à parler entre les syndicats et les employés de la ville et la ville. À Saint-Georges. Fait qu'on touche du bois que ça se règle le plus rapidement possible parce que c'est plate de ne pas avoir le hockey. Merci beaucoup à Sainte-Marie puis à Beauceville puis à tous les partenaires là, qui tiennent un peu tout ça en place là, pendant ce temps-là, mais c'est sûr que ça va être le fun de pouvoir revoir des matchs au centre de la position. Beaucoup d'appui des partisans, des entreprises et d'un peu tout le monde là, finalement dans la région de Saint-Georges là, qui ont appuyé l'équipe pour faire comme si on est encore au centre La Croix-du-Til pour probablement que les foules également là dans on va être à Beauceville, c'est ça l'aréna à Beauceville. Ouais. On va avoir doublement de bruit, là. C'est ça que je peux peut-être. Ouais, ben au moins le building va être plein. Ça va être très émotif. Ça va être très émotif, ce début de saison-là. Ouais. Donc, c'est vrai. Ouais, vas-y. Non, c'est bon. Je vais en reparler plus tard avec Jesse. Okay. Parce que c'est juste que justement, dans cette entrevue-là, il avait dit qu'il allait être notre entrevue avant qu'on l'annonce. Puis il a dit Sébastien ne va pas aimer ça. Donc. Okay. Il m'entend, il est en coulisses, Jesse. Je vais pouvoir le chicaner peut-être tantôt. Puis juste avant de rentrer Jesse, on a une petite nouvelle là, de dernière minute qui est sortie. Ouais. Il y a eu un échange dans la Ligue nord-américaine. Donc, pour ceux qui n'étaient pas au courant, c'est pas. C'est un bon échange, mais c'est pas l'échange, mettons, de Nathan Larose de cet été qu'on pourra en mentionner aussi, justement, qui a signé officiellement avec Saint-Georges aujourd'hui, Nathan Larose. Mais les pétroliers de Laval ont échangé le gardien Dominic Graham aux éperviers de Sorel-Tracy avec un choix de sixième ronde en retour d'un choix de troisième ronde. Les deux choix là, au repêchage de 2025, donc le prochain. Alors, ça règle un peu deux questions qui étaient à Sorel-Tracy, qui allait être le gardien numéro 2, puisqu'on avait seulement un gardien de signé jusqu'à présent, qui était Philippe Desrosiers. Puis, ça règle aussi la question de Laval, de comment est-ce qu'on va fonctionner à trois gardiens avec Graham, Pagliarulo, puis Ilya Ezov, la grosse acquisition là, de l'été là, à Laval, le gardien là, qui débarque de la KHL. Donc, on ne roulera pas à trois gardiens longtemps à Laval avec Graham là, qui fait un retour à Sorel-Tracy, lui qui avait débuté sa carrière dans la Ligue nord-américaine à Sorel-Tracy en 2021. Donc un échange là, de dernière, en fait, qui vient tout juste d'arriver, le Fred Dufour, là, pour commencer le podcast ce soir. Et j'étais en train de partager le podcast sur les différents groupes. Oui. Je sais pas si tu avais peut-être un sujet, David, qu'on pouvait parler, peut-être des grosses nouvelles qu'il y a eu pendant l'été. Ouais. Là, on a parlé de l'échange notamment de Nathan Larose contre trois joueurs. Oui, ben tu sais, on peut en parler parce qu'on est un petit peu dedans, là, mais Nathan Larose qui a officiellement signé à Saint-Georges cette année. Donc, du côté de Saint-Georges, on vient de chercher le meilleur défenseur des deux dernières saisons. Donc, énorme acquisition. Contre trois joueurs qui vraisemblablement n'allaient pas ou plus enfiler l'uniforme de Saint-Georges dans le futur. Donc, c'est quand même
même si c'est des joueurs qui vont aider beaucoup Laval, c'est pas des joueurs qui auraient pu aider Saint-Georges. Fait qu'on on échange un peu. C'est plus un joueur qu'on rajoute dans l'alignement que des joueurs qu'on perd du côté de Saint-Georges, puisque Nathan Larocque qui avait été échangé contre les droits de Joël Champagne, Carl Neal et Yannick Tifu. Yannick Tifu là, qui avait annoncé sa retraite. Le fait d'être échangé à quelques minutes de chez lui a fait qu'il va vouloir disputer une autre saison là, pour pouvoir jouer devant ses proches. Évidemment, dit qu'il... la meilleure nouvelle là-dedans, c'est pour les partisans. Oui. Ben, puis aussi, Yannick Tifu, qui est à 298 points en carrière dans la Ligue nord-américaine, j'y avais demandé quand il était venu au podcast l'année dernière, vers la fin de la saison, s'il voulait se rhabiller un match ou deux avec Saint-Georges pour atteindre son 300. Ben là, il va pouvoir le faire avec Laval. Fait que, je crois que ça va faire bizarre de, si on, il y a une annonce là, du plateau atteint avec l'uniforme de Laval sur le dos. Ça va toujours faire bizarre de le voir avec cet uniforme-là, mais c'est le fun d'avoir un joueur de la trempe à Yannick Tifu qui va quand même pouvoir jouer une saison de plus. Sinon, du côté de Joël Champagne, gros centre de 6 pieds 4, ancien choix des Maple Leafs de Toronto, si je ne m'abuse, va renforcer la ligne de centre là, avec Joël Caron, Joël Champagne, puis Kevin Gadoury. On a une solide ligne de centre à Laval avec ce joueur-là. Puis Carl Neal, Carl ou Carl, je ne sais pas si on prononce son nom de façon anglophone ou francophone, mais qui est un défenseur là, qui a déjà joué avec le Rocket de Laval. Lui aussi avait été repêché là, dans la Ligue nationale là, par le passé. Donc, un retour à Laval, si on veut, en quelque sorte, vu que c'est un ancien joueur du Rocket, qui lui aussi là, va venir solidifier là, la défensive. Et moins flashy, en guillemets, qu'un Nathan Larose, mais est très efficace là, dans toutes les facettes du jeu. Donc, c'est quand même trois grosses acquisitions du côté de Laval. Un échange qui, finalement, ben, va faire plaisir à tout le monde. Donc, tout le monde va y avoir trouvé son compte. Puis, en même temps, ben, quand on parlait de talents qui se rajoutent dans la Ligue, tu sais, Joël Champagne puis Cornier, c'était pas des joueurs qui étaient dans la Ligue l'année dernière. Donc, les voir rentrer, ben, le niveau va prendre une coche de plus. Donc, ça en était des gros joueurs. Sinon... Mais là, je ne sais pas si on va tout de suite là, avec les grosses acquisitions là, de l'été en rafale. Là. On va y aller là, comme ça avant de rentrer. Là, quand on parle du niveau qui augmente juste à Laval, Anthony Di Cesare, le choix de première ronde qui arrive dans l'alignement, un gars qui avait 2 points par match pratiquement dans le Junior 3A, un gars qui est très fougueux, va être vraiment le fun d'avoir joué. Également, ben, le gardien, on en a parlé, Ilya Ezov. C'est peut-être pas un nom connu des Québécois, mais c'est quand même un joueur qui a joué 13 ans de suite dans la KHL, joué dans les grosses équipes de la KHL. Là, pour ceux qui connaissent la Ligue, là, le SKA de Saint-Pétersbourg, c'est une des grosses équipes de la Ligue. Puis être gardien partant dans cette équipe-là, c'est quelque chose. Donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va faire. Puis, malgré son nom russe, oui, il est d'origine russe, mais c'est plutôt un retour à la maison pour lui de venir jouer à Laval, puisqu'il avait migré au Québec là, lorsqu'il avait 9 ans, donc avait passé là, toute son adolescence au Québec. Sa famille est québécoise et tout, donc parle d'ailleurs très, très bien le français également. Donc, c'est vraiment un retour au bercail là, pour Ilya Ezov de venir jouer à Laval. Sinon, si on regarde le joueur... Il avait joué aussi dans la JMQ là, avec les Sea Dogs de Saint-Jean. Oui, exact. C'est avec les Sea Dogs, les Fuck Devils. Je pense que c'était les Fuck Devils. Ah, Fuck Devils. Ouais. Quand il y avait deux Saint-John pendant une couple d'années. Ouais. Excusez, Fuck Devils. Ouais, excuse-moi. Donc, des gros noms à Laval. Exact. Ensuite, si on regarde là, au niveau des marqués, Xavier Filion, Alex Rondeau, donc des hauts choix, là, des choix de première ronde. Du dernier repêchage là, qui vont intégrer l'alignement, donc des attaques intéressantes. Kevin Dufour également, qui est un joueur qu'on a signé, là, qui avait des stats intéressantes dans la Ligue de la Côte Est, qui s'en vient. Deux grosses acquisitions, ben, Mathieu Lemay, qui est un joueur là, qui a ramassé beaucoup de points partout ce qui a passé en carrière, marque aussi beaucoup de buts, un marqueur naturel, comme on dit. Et également un joueur qui a très bien fait en pré-saison jusqu'à présent, Scott Oak, qui effectue un retour au jeu après 5-6 ans d'inactivité. Un joueur là, également là, qui est, c'est un joueur d'1 point par match dans les juniors majeurs du Québec.
qui a connu aussi de superbes années avec l'Université de Concordia, qui arrive à Jonquière. Puis c'est sûr que c'est des matchs pré-saison, c'est pas la vraie affaire, mais quand même, là, marqué 3 buts en pré-saison déjà. Donc, il y a des joueurs intéressants là, à côté à Jonquière. Ensuite de ça, au niveau du national, on n'a pas encore réussi à s'entendre avec notre choix de première ronde, là, Julien Bellan, là, qui était un petit peu là, l'ancien des rapports là, qu'on voulait intégrer dans l'équipe. Ça reste à voir là, le propriétaire là, Jim Gagné qui a dit qu'il était toujours en discussion avec. Mais sinon, là, des joueurs intéressants, comme on a vu en pré-saison, le Charles-William Gagné, qui semble être un joueur taillé pour la Ligue nord-américaine. Il y a du chien capable là, de produire. Un joueur aussi qu'on a essayé, je ne sais pas s'il va avoir un poste à temps plein, là, mais qui évoluait avec les Montagnards de Beaupré dans la Ligue du bas du fleuve, Mathis Demers, qui a marqué le but de la pré-saison, là, un peu, là, qui était un but complètement spectaculaire, qui lui aussi là, serait à surveiller. Ensuite de ça, les Éperviers, ben, Mathieu Brodeur, l'ancien des Lions de Trois-Rivières, là, qui fait un retour dans la Ligue. Sean Boudria, l'ancien choix du Wild du Minnesota, gros attaquant, 6 pieds 5, des super mains. Ça va être intéressant là, à voir là, à Sorel également. Il n'y a rien annoncé, mais j'ai vu qu'il y avait Alexandre Fortin qui a joué le dernier match pré-saison de l'équipe dimanche à Laval, là, qui a déjà joué une trentaine de matchs là, avec les Blackhawks de Chicago dans la Ligue nationale. C'est un joueur qui n'avait pas été repêché, mais qui a quand même toute une feuille de route. Le neveu, si je ne me trompe pas, Jean-Sébastien Giguère, l'ancien là, de gardien des. Okay. Fait que ça reste à voir, mais il a joué un match pré-saison avec l'équipe, donc c'est quand même à suivre. Sinon, vite, du côté du Cool FM, ben, William Leblanc, ancien des Lions, Cédric Montminy, l'ancien capitaine des Lions pendant 3 saisons. Ça, quand on parle de joueurs taillés pour la Ligue américaine, c'est dur de trouver mieux que ça. Là, donc, un leader qui est capable d'être bon dans toutes les facettes du jeu. Gabriel Chabot, le premier choix au total du dernier repêchage, qui a joué là, avec Boston University, qui est l'université de... Quand on joue pour Boston University, c'est parce qu'habituellement... Une grosse pointure. Ouais. C'est pas n'importe qui peut aller jouer là. C'est des gros joueurs qui vont jouer là. Trevor Zegras, Brady Kachuk, Jake Ottinger... Clayton Keller, je pense aussi. C'est vraiment des grosses pointures qui vont jouer dans cette université-là. Donc, à suivre à Saint-Georges. Au niveau du bataillon, Kevin Domingue, qu'on a signé, qui est un centre là, ancien de l'armée, qui est aussi très bien fait avec l'Université d'Ottawa pendant plusieurs années. Samuel Desgroseillers, qui est un petit défenseur très mobile, qui va être intéressant aussi à voir jouer. Puis finalement, là, au niveau de l'assurantia, Nicolas Larivière, un gros attaquant de puissance. Même chose pour Jordan Ty Fournier, qui est le frère de Stéphane Fournier, qui a très bien fait l'an dernier en gagnant la Coupe. Et puis, deux autres joueurs, ben, en fait, trois autres joueurs rapidement. Jean-Raphaël Roy, le choix de première ronde, qui lui jouait là, pour le cégep de Saudière-Appalaches dans la Ligue Junior 3 l'année dernière, là, qui était un des leaders là-bas. Nicolas Ouellette, attaquant super rapide qui risque d'être très spectaculaire, qu'on a annoncé dans les dernières semaines. Et également Jérôme Leduc, ancien choix des Sabres de Buffalo, qui est un défenseur qui devrait, selon toute vraisemblance, rivaliser pour le titre de défenseur de l'année dès cette année. Là. Lui avec le qui arrive avec une feuille de route là, vraiment impressionnante. Voilà là, un petit résumé rapide. Là. Il y en a d'autres là, que j'ai oublié, quelques-uns de nouveaux joueurs, là, mais en termes de talent, là, avec tout ce que je viens de nommer, là, c'est une méchante dose de talent qu'on vient de rentrer dans la Ligue nord-américaine. Ça va être le fun à suivre toute l'année. Yes. Est-ce qu'on est prêt à y aller avec notre invité? C'est pas assez bon. Qu'on fasse en concise. Concis, ouais. Donc. Je rechange aussi. On ne sera plus en studio. Là. On s'en va dans un autre endroit. On s'en va sur la glace. sur la bande. Jesse Girard a même mis commissaire à l'NH dans son titre. Jesse, comment ça va? Ça va bien, vous autres? Oui. Est-ce que tu as passé un bel été? Un été chargé, probablement, là. Ouais, on était chargé. Désolé pour le titre. Je pensais que. Parce qu'il me disait qu'il fallait que je rentre un titre. Fait que j'ai
mon titre. C'est que là, j'ai pensé que c'était le titre que j'avais à la Ligue. Je peux aller l'enlever. Là. J'ai mis ça sans toute humilité. Là. C'est correct. Ben, pour les partisans qui ne te connaissent pas, ils peuvent voir ou qui arrivent en cours de route, ils vont savoir qui qu'on a comme invité ce soir. Ouais. Donc, Jesse, probablement un été chargé. On a deux nouvelles équipes. On t'avait reçu là un petit peu plus tôt, au mois d'avril, mois de mai, là, pour discuter de comment ça s'est passé. Maintenant, peut-être tu peux nous dire là, quel a été l'été là, de peut-être ces équipes-là. Exact. Un été chargé, évidemment. au-delà du fait que à la fin de la dernière saison, on est rentré dans un processus qui était le processus du repêchage d'expansion. On savait où on s'en allait. Ça a été un été un petit peu plus long, qui n'a pas été un été facile pour tout le monde, dans le sens où on a été obligé de chambarder un petit peu notre plan de match habituel. Habituellement, à la fin de la saison, on va se retrouver les équipes ensemble avec l'AGA. Après ça, on va se retrouver avec le repêchage universel. Fait que toute cette séquence-là a été chamboulée. Par évidemment le repêchage d'expansion, par la suite le repêchage universel. Après ça, on a travaillé beaucoup sur la ligue. On veut améliorer des choses. Au fil des années, tantôt vous l'avez dit, là, au fil des années, on a accumulé énormément. C'est nono là, ce que je veux dire, là, mais tu sais, quand tu accumules la documentation, puis que là, tu t'ajoutes une règle par-dessus une autre règle, puis que finalement, tu te retrouves qu'à la page 1, tu as la même règle qu'à la page 47, mais qui est juste mentionnée un petit peu différemment. Fait qu'on a commencé ce travail-là aussi. Fait que tu sais, un travail administratif qui est loin d'être terminé, qui va se poursuivre dans la... Puis on s'en est rendu compte, là, tu sais, avec les propriétaires, les gouverneurs, les DG, dans certaines situations, on a des éléments qui sont à améliorer. Fait que ça a été un gros été administratif, je vous dirais. Okay. Évidemment, pour les deux équipes d'expansion, si on revient à la prémisse de la question, c'est sûr que pour eux, là, on va s'entendre, il faut qu'ils mettent les bases de leur organisation. À partir de là, c'est bien le fun d'avoir le droit d'exploiter une équipe de hockey dans la Ligue nord-américaine, mais après ça, d'un, ça te prend des joueurs. Ça te prend un staff hockey, puis ça, je l'ai tout le temps dit. Quand on a débuté ce processus d'expansion-là, au départ, ça prenait un staff hockey. Après ça, on va y aller avec la business, mais au départ, ça prenait un staff hockey. Puis quand j'en parlais... avec les gens de Saint-Hyacinthe et les gens de Québec, ben on a utilisé un peu la même formule. On a installé les opérations hockey pour après ça installer tout l'aspect administratif et l'aspect business. Fait qu'on en est là, mais on est encore... je pense que si vous parlez aux dirigeants de ces deux équipes-là, ils vont vous dire que le 4 et le 5 octobre arrivent vite pas mal, là. Parlant des deux équipes, on a mentionné qu'on t'avait reçu là, justement vers la fin de la saison. Je pense que Saint-Hyacinthe était annoncé. On ne savait pas encore c'était qui les propriétaires. Fait que, dans le sens que c'était encore très secret tout ce qui se passait, tout ce qui se développait. On ne parlait même pas encore de Québec. Fait que là, maintenant que c'est fait, maintenant qu'on peut aller un peu dans le dessous du décor, là. Parle-nous d'un petit peu comment est-ce que ça s'est fait, l'approche à Saint-Hyacinthe avec des noms connus, on va se dire, Guillaume Latendresse, Maxime Lapierre, et à Québec, avec le propriétaire, là, Jimmy Gagné. Si tu peux juste nous en donner un petit peu là, de comment le processus s'est fait. Là, les deux équipes. C'est un peu... c'est bizarre parce qu'en fait, c'est que c'est une réflexion que je me suis faite à un moment donné dans mon... dans le déroulement du début de la saison, je regardais puis je discutais avec des partenaires potentiels. Puis là, quand je dis partenaires potentiels, là, c'est le terme pur et dur, commanditaire. Puis la chose qui revenait beaucoup, c'était de mentionner que
tu sais, à 6 équipes, les gens voient ça différemment. Hein. Tu sais, tu es à une équipe de devenir une division, pas une ligue. Puis, à 6 équipes, on avait 6 équipes solides, c'est ce que je mentionnais à tout le monde. Puis après ça, ben, l'idée de dire, ben, on va joindre des partenaires sérieux à notre ligue, au potentiel que cette ligue-là a, ben, ça venait avec deux nouveaux marchés. C'est à partir de ce moment-là que j'ai comme inversé ma réflexion. C'est que je me suis dit, OK, on va partir en processus d'expansion avant de penser que peut-être des gros partenaires continueront à se joindre à nous. Puis on a déjà des bons partenaires. Là. L'idée n'est pas là, là, mais c'est d'en avoir encore plus. C'est un peu le nerf de la guerre, là, éventuellement. Mm-hmm. Et c'est comme ça que ce processus-là a débuté. Puis mon raisonnement était, OK, on est dans 6 marchés au Québec. Ce sont 6 marchés régionaux. Nos concessions sont très fortes dans leur milieu. Maintenant, comment on peut faire pour aller chercher du volume? Puis du volume d'amateurs de hockey. Et l'idée, ben, ça a été de regarder les agglomérations à l'échelle provinciale. Puis je veux dire, ça prend pas une grande étude, là, on va s'entendre. Là. Il y a des arénas qui peuvent avoir une équipe. Ben, c'est ça, là. Écoute, on est en bas de 10, là. Puis je te dirais même en bas de 7-8, tantôt vous parliez des foules, ça reste qu'on est encore nous, dans notre cas, je pense qu'on va toujours être notre source première de revenus pour les équipes, ça reste la billetterie. Après ça, il y a une déclinaison, ce sur quoi on travaille actuellement, mais ça reste quand même que la source première, c'est la billetterie. À partir de là, on ne peut pas jouer dans un aréna, dans un amphithéâtre de 300, 400 personnes, 500, ce ne serait pas vivable. Fait que, tu sais, ça se restreint assez rapidement, là. Puis à partir de là, ben aussi, j'ai évalué les marchés. Puis tu sais, il n'y avait pas juste Saint-Hyacinthe. Du côté de Québec, je vous dirais qu'il y avait juste Québec, là, que je visais, là. Mais tu sais, du côté peut-être plus du Grand Montréal, il n'y avait pas juste Saint-Hyacinthe de potentiel. Par contre, au moment où j'ai commencé à avoir des discussions avec la ville de Saint-Hyacinthe, à un moment donné, pour moi, excusez-moi le mauvais français, mais c'est devenu un no-brainer de revenir à Saint-Hyacinthe. Je parlais avec les gens de Saint-Hyacinthe, puis même moi, là, je veux dire, à l'âge que j'ai connu cette époque-là, quand la Ligue nord-américaine était à Saint-Hyacinthe, il y avait du monde à LP Gaucher, là. Fait que, tu sais, pour moi, c'est devenu les deux endroits où je voulais qu'on s'implante. Bon, là, à partir de là, un coup que ça s'est dit, est-ce qu'on va réussir à le faire? Je suis extrêmement chanceux d'avoir frappé pour 1000. J'aurais pu frapper pour 500, j'aurais pu frapper pour 0. J'avais une chance sur, tu sais, je veux dire, deux chances sur deux, une chance sur deux, zéro chance sur deux, peu importe. Et j'ai discuté, la première discussion, ça a été avec Guillaume. C'était même pas sur le dossier de l'expansion avec Guillaume, c'était complètement sur un autre dossier. Ça avait rapport, on parlait de communication numérique, on parlait de projet dans ce sens-là. En aiguille, on a échangé, on a discuté. Il y a eu Guillaume a commencé à s'intéresser avec Maxime au projet de la Ligue nord-américaine. Puis ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Guillaume, c'est un fan de hockey aussi. Là. Il se déplace à Granby pour aller voir jouer les Bisons de Granby depuis des années. Fait que, tu sais, c'est devenu une belle discussion. Puis on a fait évoluer les choses ensemble. Puis à un moment donné, ben on en est venu à une entente. Mais tu sais, la ville était déjà choisie là, dans mon cas. Là. Puis on s'est assis ensemble, puis on a élaboré un plan.
Puis ça a marché. Aujourd'hui, je parle assez souvent avec les deux équipes d'expansion. La Ligue, moi, je me suis engagé avec ces deux équipes-là d'être vraiment derrière elles pour leur donner le maximum d'outils, mais le maximum de soutien. C'est aussi niaiseux que c'est correct là, d'avoir un rôle dans une ligue de commissaire, mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas mettre tes bottes de travail sur le terrain pour donner un coup de main aussi. Puis ça, je me suis engagé à le faire avec eux. Puis je m'engage à le faire avec toutes les équipes, mais on va s'entendre que les six autres équipes, ils ont leur roulement, puis ils savent comment faire les choses. Fait qu'on en est là. C'est un peu les coulisses de la façon dont ça s'est passé. C'est rien d'extraordinaire, sincèrement. C'est vraiment On discute, on s'échange, là, on amène des idées, puis hop, on aime ça, on aime ce qu'on entend, puis tout ça. C'est de fil en aiguille, là, si on comprend. C'est ça. Puis tu sais, Québec, c'est un peu le même principe. J'avais ciblé le complexe Bonheur, qui porte aujourd'hui le nom du complexe Bonheur. Puis ma première discussion, c'est pas avec les gens de chez Bonheur que je les ai eus, c'est avec Marc Drolet, le propriétaire du complexe. Parce que je ciblais l'endroit. Avec Marc, M. Drolet, que j'appelle Marc aujourd'hui, mais je veux dire, avec M. Drolet au départ, la discussion, c'était de voir est-ce qu'il y a une possibilité et des disponibilités. Puis ça a été notre plus gros enjeu là, de ce côté-là. Parce que l'amphithéâtre est parfait pour recevoir la Ligue nord-américaine. Donc, à partir de ce moment-là, Marc m'a présenté aux gens de chez Bonheur. Puis, de fil en aiguille avec Jimmy Gagné, on a développé le projet. Un peu le même concept du côté de Saint-Hyacinthe. Puis, après ça, ça, c'est un élément marketing. On a perdu David. Tout ça, c'est un élément marketing. Puis, l'idée là-dedans, évidemment, Guillaume, Maxime, avec leur projet, leur après-carrière, leur réussite au niveau des médias numériques, au niveau du podcast, avec entre autres la poche bleue, là, on va s'entendre, c'était une chose. Donc, ça a frappé un premier grand coup, un premier gros coup. Puis après ça, l'idée, c'était de pas laisser Québec en plan, puis d'arriver avec quelque chose de différent. Le profil des propriétaires, là, c'est complètement l'opposé l'un de l'autre. Mais c'est des gens qui veulent la réussite de leur organisation, veulent la réussite de la progression de la Ligue. Puis on en est venu là, avec le fameux National de Québec du côté de Québec. Puis ça a frappé un autre grand coup du côté de Québec. Fait que c'est un peu de cette façon-là que ça s'est passé. C'est pas très sexy, là. On va s'entendre. C'est vraiment du travail avec un peu de chance mélangé. C'est ça. Avec une tête de cochon. Peut-être une tête de cochon aussi. J'avais dans l'idée que c'est là qu'on s'en allait. Fait que il y a peut-être ça aussi là, qui est entré en ligne de compte. Mais je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est très, 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 très content là, du résultat. Je vais te poser, Edbard, la question qui tue tout de suite, Jesse. Est-ce qu'il faut prévoir une autre équipe là, pour la saison prochaine, 2025-2026? C'est bizarre que tu poses la question parce que quand tu es dans un mode... tranquille, là. On dirait que les gens ne s'intéressent pas vraiment à toi. Tu sais, il y a comme un... Quand tu ne fais pas de vague, c'est comme ça. Tu sais, ça... Bizarrement, on s'intéresse beaucoup à nous, là. Je pense que ça a frappé fort là, avec les deux annonces qu'on a eues. Les médias en ont parlé. On a eu plusieurs journalistes se sont déplacés aux conférences de presse. Tout ça, ça fait du bruit, là. Oui, ça a fait du bruit. Je pense que c'est ça. Il y a du monde qui s'intéresse à nous.
À l'inverse, là, c'est le dirigeant qui va vous parler puis va répondre. Je pense que les propriétaires et les gouverneurs c'est beaucoup à cause d'eux qu'on a réussi à aller à 8 équipes du jour au lendemain. Là, je parle à l'intérieur d'une saison. C'est pas évident pour eux. Ouais. On va s'entendre. Là, tu perds des joueurs de qualité. Là. À l'inverse, certains vont me dire oui, mais Jesse, il y avait beaucoup de jeunes qui étaient dans le Seigneur 3, qui n'avaient pas de place pour jouer avec nous ou qui allaient jouer en Europe, en France. Bon, tout ça, oui, je suis d'accord avec ça. Moi, je veux qu'on fasse bien les choses. On avait 6 équipes solides. Là, il faut qu'on soit 8 équipes solides. La journée où on décidera d'entrer une autre organisation, d'entrer une autre ville avec nous, il y aura peut-être un processus différent. On verra comment on va le travailler. Très difficile à prédire l'avenir, mais je vais, par respect pour mes partenaires qui sont les propriétaires, les dirigeants des équipes, je vais leur donner une petite pause dans mon projet. C'est ça. Ça mérite d'être clair. Donc, pour les gens qui nous écoutent, on revenait pas avec la question là, dans une semaine, dans 2 mois. On en a pour au moins 7 saisons plus un autre là, d'avoir une pause. Donc, c'est bon. Qu'on se le tienne pour dit. Il y avait une question intéressante, Jesse. On a parlé des équipes d'expansion, mais il y a aussi Saint-Georges là, qui joue dans un, on pourrait dire, pratiquement une troisième équipe là, d'expansion qui va jouer là, à Beauceville cette année. Yves Métivier veut savoir qu'est-ce qui est prévu peut-être là, pour aider Saint-Georges. Il parle d'absorber les pertes financières si la Ligue va les absorber. Qu'est-ce qui a été fait peut-être de ce côté-là là, pour aider Saint-Georges? Là, je vais faire attention parce qu'il y a des... Tu sais, ça reste que c'est des dossiers qui appartiennent à Saint-Georges. La Ligue, oui, là, la Ligue est derrière. Je veux dire, j'ai participé à des rencontres avec l'organisation, avec Stéphane et les gens, là, ses partenaires. Dans un premier temps, ce qu'il faut savoir, c'est que les partenaires corporatifs de Saint-Georges sont très, très, très présents. Ils ont décidé majoritairement, je ne suis pas en train de vous dire que c'est à 100%, mais majoritairement de suivre l'équipe cette saison. C'est excessivement important pour une organisation de la Ligue nord-américaine. Les gens qui viennent voir les matchs sont peut-être pas au courant là, de l'arrière-scène, là, si on veut, d'un budget d'opération d'une saison d'un club de la Ligue nord-américaine, mais ça reste que les partenaires corporatifs, entre autres locaux, sont très, très, très importants. Ensuite, ben dans différentes villes, nos équipes, de plus en plus, ont le soutien des villes, donc des municipalités, pour différents projets. Puis Saint-Georges, au fil des années, a développé une super belle relation avec son monde, autant au niveau municipal qu'au niveau des citoyens. Donc, c'est une concession qui est très importante pour la ville de Saint-Georges. Au niveau du soutien, actuellement, Stéphane et son groupe, je ne vous dirais pas qu'ils s'en sortent super bien, mais ils s'en sortent bien. Et on est très, très, très confiants. Il y a énormément de transparence entre moi et Stéphane dans la vie de tous les jours. Fait que c'est facile d'échanger, c'est facile de discuter. Moi, j'aime ça. Je l'ai dit en entrevue cette semaine à Sainte-Marie. On dirait que tout le monde marche sur des œufs quand je les rencontre. « Hey, comment va Stéphane? » C'est extraordinaire ce qu'il fait. Ben oui, Stéphane va super bien. Je pense que ça le motive plus que jamais, en fait. Là, on dirait, tu sais, des fois, quand... C'est justement quand t'es trop sur le que t'as pas de vague. C'est dans l'adversité parfois. Dans l'adversité, c'est en plein ça. Tu sais, on se rappellera dans quel état aussi ce groupe-là a pris cette concession-là.
Ils ont relevé cette concession-là. Aujourd'hui, c'est devenu une concession très importante, ben, comme toutes les concessions d'ailleurs de la Ligue nord-américaine, très solide. Bon, à partir de ce moment-là, là, c'est sûr que là, à un moment donné, ce dossier-là doit se régler. On s'entend que depuis février dernier, que l'équipe est en dehors de son amphithéâtre, donc ils n'ont même pas fait les séries éliminatoires chez eux. Je pense que c'était 2 ou 3 mars, ça se peut-tu? Peut-être. 3 mars officiellement. 3 mars, mais ouais, c'est 3 matchs de saison régulière qu'ils n'ont pas eu à Saint-Georges, puis les 2 matchs qu'ils ont joué en série. Il me semble que même dans les semaines avant, il y en a eu 1 ou 2 où il y avait des grèves là, ouais, d'une journée. Ouais. Ouais, c'est ça. Fait que, t'sais, déjà là, c'est pas évident. Je pense qu'à un moment donné, là, ça va se régler. Je peux pas croire que ça se réglera pas. On va s'entendre parce que cette infrastructure-là, on va s'entendre, là, c'est pas juste pour le Cool FM. Là. C'est pour la population en général. Là. Puis là, on parle de l'amphithéâtre du Cool FM, mais je veux dire, c'est toute l'infrastructure sportive là, qui en subit les contre-coups. Là. À un moment donné, je pense qu'il y a des gens qui doivent le réaliser. À partir de là, je vais me taire pour ne pas dire d'autres choses. Ouais. Ben, le... On pourrait peut-être aller sur un autre sujet, Dave? On changera de sujet, mais si on y va dans le plus positif, si tu pouvais peut-être juste tasser ta tête un petit peu, il y a de quoi derrière toi qui a l'air intéressant? La Nord... 1996. Alors, c'est quoi ton fond d'écran, ça, ouais. Jesse? Oui, on a décidé de se doter d'une signature. En fait, je veux qu'on fasse la place. Tu sais, je veux dire, la Ligue nord-américaine, on la connaît sous une formule. Ces équipes sont très connues. Aujourd'hui, depuis plusieurs mois, avec vous autres, puis avec la gang notre équipe au niveau de la Ligue, on planche sur un projet signature, un projet de mettre de l'avant la LNH, de valoriser cette marque-là, la Ligue nord-américaine qui est une ligue qui est quand même unique, une ligue professionnelle, d'un sport professionnel qui est notre sport national, qui est le hockey, avec 99% des joueurs québécois. Donc, on a cette opportunité-là d'avoir ça chez nous au Québec. L'idée aussi, c'était d'en arriver à mettre de l'avant une signature. Puis, ça en est venu, puis ça fait des années, là, c'est pas d'hier. Là. Mais entre autres, Quand j'ai mis les pieds dans la Ligue nord-américaine, ce que j'entendais souvent de gens qui soit qui me questionnaient, soit qui discutaient avec moi, c'est « Ah, d'accord. Ah ouais, OK, t'es dans le Nord. OK, t'es dans le Nord. OK, ah ouais, la Nord. » Puis là, à un moment donné, j'ai comme « Donc, OK, c'est ça. » Fait que là, les gens, puis beaucoup les joueurs, il y a beaucoup de joueurs qui vont échanger en parlant de la Ligue nord-américaine, en l'appelant la Nord. Il y a des fans qui l'appellent la Nord. De plusieurs qui l'appellent la North. La North, oui. Je vous dirais que là, il faut faire un petit peu attention quand on décide d'y aller du côté anglophone. Mm-hmm. Donc, l'idée là-dedans, c'était... Pardon? Excuse-moi, ça me faisait penser au TIF parce que c'était une appellation qui revenait très souvent quand il fallait... Oui, l'idée là-dedans, c'est d'avoir une signature qui est un peu plus marketing. Donc, de pouvoir décliner l'ensemble des objets promotionnels de la Ligue nord-américaine de cette façon-là. De se doter d'une boutique virtuelle, d'une boutique en ligne, de créer peut-être des partenariats avec des pignons sur rue, commerce de détail. J'irai pas trop loin, là, mais on est en discussion actuellement pour peut-être pouvoir positionner ou placer nos collections dans différents,
dans différentes bannières. Tu sais, il y a un objectif en arrière de ça, c'est de faire circuler le nom de la Ligue nord-américaine. Puis d'en arriver aussi à pas juste avoir, tu sais, la LNAH, comme on connaît le logo qui est là, là c'est très corporatif. Là, il faut être un peu plus marketing dans notre approche. C'est de la façon dont on a décidé de mettre de l'avant cette nouvelle signature. Quand on parle d'objets promotionnels, c'est des vêtements, Oui, donc c'est des vêtements qui vont être déclinés, évidemment, aux couleurs de la Ligue nord-américaine, mais aussi de façon générique, déclinés avec le logo de chacune des équipes de la Ligue. On va s'entendre, chacune des équipes a sa propre collection de vêtements. L'idée, c'est pas d'embarquer par-dessus eux. L'idée, c'est au contraire de venir générer encore plus de visibilité. Donc, en mode ligue, la même façon dont est positionné là, le logo Lanor avec le logo de la Ligue nord-américaine en dessous. Donc, on va avoir une déclinaison des 8 logos de nos équipes avec cette façon de fonctionner, avec cette déclinaison de visuel-là. On va débuter la collection. Ça devrait sortir sous peu. La mise en ligne de la boutique devrait sortir sous peu. On va débuter avec le fameux hoodie. Donc, le fameux hoodie gris et le fameux hoodie noir. On veut lancer, là, je vous dirais, à peu près un nouvel item aux deux, trois semaines, là, selon là, ce qu'on est en mesure de faire. Mais c'est ça. C'est notre objectif. C'est là où on veut aller. Puis on veut beaucoup utiliser cette signature-là au cours des prochains mois, prochaines années. On voit l'année 1996 derrière la mort. Donc, ça nous revient là, à les origines de la Ligue également, là, de la Ligue semi-pro. Oui, c'est en plein ça. Donc, en 2024, en 2026, on risque d'avoir quelque chose à fêter. Donc, effectivement, on est à la base, on est aux origines. Super. C'est très hot. On voit les commentaires. Là. Ça a l'air à faire plaisir aux gens. Puis, tu sais, c'est quasiment un peu une primeur, si on veut, qu'on a au podcast, là, parce que le logo n'est pas encore sorti nulle part, là, mais ça va commencer à apparaître là, très, très prochainement là, sur les réseaux sociaux de la Ligue, un petit peu partout aussi. Là, autour des équipes, là, ça va être quelque chose qui risque d'être poussé. Jean-Michel demande s'il va y avoir des cartes de hockey dans les objets promotionnels. Est-ce que c'est quelque chose? Ah, ben, écoute. Ouais, ça avait été fait il y a 2 ans, je pense pas. Ben, moi, il l'a mis dans son commentaire. Ouais. Là, la déclinaison des objets promo, là, c'est à l'infini. Là. Donc, à partir du moment où ta signature, puis le contexte, puis ta stratégie marketing autour des éléments ou de la signature que tu décides de lancer, c'est à l'infini. Ça peut aller de la pin de croc, qui est très populaire pour les jeunes. Je vous annonce qu'on est en production de pin de croc. Donc, avisez vos jeunes. Et de toute façon, la majorité de nos joueurs... en mai ou en septembre, arrive à l'aréna en croc avec des bas. Fait que ils pourront avoir une pin de croc sur leur croc. Moi, je prendrais les crocs direct, moi, aux couleurs de la Ligue nord-américaine. Effectivement, tu vois, c'est un autre. Un autre une pin de chacune des équipes. Je te mets sur le dossier, David. Un autre dossier là, que les gens ont peut-être remarqué, c'est la refonte de. Du site web là, de TVLNH. Oui, effectivement. On a décidé de s'attaquer à ça. Ça, c'est un gros chantier. Ça, c'est le plus gros chantier de l'été. Là. Au-delà de ce que je parlais tantôt là, du côté administratif, là, mais ça a été quelque chose d'intense. Vous le savez, les gars, vous travaillez sur ce projet-là aussi. Là,
de TV LNH. Stratégiquement, on a décidé de repositionner TV LNH. En fait, c'est qu'on réalise qu'on a vraiment une belle opportunité. On a un beau véhicule de communication. Là, 5 ans, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui croyait à ce projet-là, dans le sens où je pense que tout le monde y croyait, mais pas. Peut-être qu'on ne voyait pas le potentiel que ce projet-là peut avoir. On voyait plus ça comme une dépense qu'un investissement. C'est ça. À l'époque, mettons. Puis je pense que. Puis tu sais, je peux pas dire que c'est une mauvaise façon de voir les choses, mais aussi je pense qu'à l'époque, les gens pensaient que. Ouais, mais là, si les gens peuvent regarder sur le web en se branchant sur leur télé, ils ne viendront pas à l'aréna. C'est ça. Alors qu'au contraire, c'est l'effet inverse que ça a créé parce que c'est devenu un véhicule de communication, donc un véhicule majeur de visibilité pour la Ligue nord-américaine. À partir de là, dans la structure qu'il avait, parce qu'on s'entend là, que c'était vraiment une structure opérationnelle. Là. C'était je veux le match, j'ai un calendrier, je clique dessus. Puis je vois le match, tu sais, j'ai mon abonnement qui va avec, ou je décide d'acheter la partie que je veux voir. Aujourd'hui, ben, étant donné l'achalandage de ce site, de cette plateforme-là, la réflexion a été de dire, OK, ben, on va aller positionner nos partenaires. Puis tu sais, la web diffusion, ce que ça nous permet, là, je vais rentrer un peu plus dans du précis, là, mais en télé, on appelle ça du routage, là. Donc, tout le positionnement publicitaire, puis tout le positionnement des partenaires sur qu'on voit pendant un match du Canadien à RDS, bien, nous, on a le potentiel de faire la même chose sur la web diffusion, mais en n'ayant aucune restriction de temps dans les faits. Évidemment, quand on est à la moitié de chacune des périodes, puis on est dans notre fameux TV timeout, ben oui, on a juste une minute, donc on peut juste mettre deux pubs de 30 secondes. Ça, c'est correct. Mais en théorie, entre les périodes, dans nos avant-matchs, on peut faire les choses différemment puis offrir énormément de visibilité pour tous nos partenaires et entre autres, pour tous les partenaires locaux de chacune des équipes. Puis c'est ça aussi qu'on a voulu amener aux équipes en leur disant, tu sais, on cherche toujours des nouvelles façons. Puis, il y a toujours la façon traditionnelle. On va aller faire du pavoisement sur les bandes. OK, parfait. Ça, c'est une chose. Mm-hmm. Mais à partir de ce moment-là, ça reste statique. Donc, comment on peut en arriver à aller un petit peu plus loin dans notre offre? Bien, c'est pour ça qu'on a décidé de remanier cette plateforme-là. Donc, cette plateforme-là va offrir l'opportunité à nos partenaires actuels, à nos futurs partenaires, de maximiser leur visibilité, autant à l'échelle provinciale qu'à l'échelle régionale et locale pour chacune des équipes. Si on parle également là, des intégrations pendant la partie, que ce soit des présentations, peut-être des périodes ou des caméras dans le filet, tiens. Ça donne aussi un certain prestige, un professionnalisme à la télé LNH. Excellent. Effectivement. Puis, tu sais, on travaille très fort. Puis là, ça va être un work in progress là, toute la saison. Là. On est rendu, oui, on a le challenge au niveau des buts, au niveau de notre réglementation. On n'était pas prêt à aller sur le challenge au niveau des hors-jeux, entre autres, parce que nos arénas n'étaient pas équipées toutes de la même façon. Mm-hmm. Mais on est là. On va arriver là. On ne sera pas prêt, malheureusement, pour vendredi, pour dire, OK, les 8 équipes, nos 8 amphithéâtres sont équipés adéquatement pour faire face à un challenge sur un hors-jeu. Mais rapidement, dans les prochaines semaines, ça va être réglé. Évidemment, pour nous, c'est beaucoup d'investissements au niveau de l'équipement, au niveau des équipes aussi. Avant, on était... Puis c'est correct, là, puis c'est pas... C'est sans, avant, on était quand même assez basic dans notre façon de travailler. Mais là, on a instauré des régies...
Donc, dans chacun des amphithéâtres, on veut améliorer le produit. Puis sachez, là, puis on en est parfaitement conscient. Des fois, il y a des petits bugs. Mais tu sais, moi, je suis chez nous, puis je fais affaire pour ne pas le nommer avec Vidéotron, puis je travaille le jour, puis des fois, j'ai un bug d'Internet. Fait que c'est Vidéotron. Donc, c'est sûr qu'on est à la merci, à cause de notre structure, on est à la merci du système, si on veut, entre autres au niveau de l'Internet. Fait que des fois, oui, ça peut arriver qu'on a des petits bugs. Tranquillement, pas vite, on améliore le produit, on améliore notre infrastructure technologique. Puis tu sais, sans dire qu'on va être parfait à la fin de la saison, on va avoir énormément évolué, par contre. Énormément évolué. Puis c'est là où on veut aller. Puis on veut devenir un peu une référence aussi. Par rapport à ça. Puis, tu sais, je sais que ça va avoir une très grande valeur, ce qu'on est en train de bâtir. Puis pas juste une valeur monétaire, là. Je parle d'une valeur pour la Ligue, pour le produit qu'on offre, la visibilité qu'on va offrir avec le véhicule, là. Puis, donc, sur le site web de la TV LNH, on va avoir aussi du contenu, contenu écrit, contenu vidéo qui va être... updaté en cours de saison. On a remodelé là, pour avoir une belle interface également qui est pas mal plus belle là, que le calendrier, comme tu disais, que c'était un site qui était utile. Maintenant, on va aimer ça, aller naviguer dessus aussi pour si on recherche des informations, peut-être des statistiques, toutes ces choses-là. Joindre l'utile à l'agréable. Oui, je pense. Faut croire qu'on a une belle pépite là, entre les mains. Là. Oui, puis tu sais, pour revenir, parce que tu as super bien répondu à la question de Jessie, là, parce qu'elle était passée justement à la question là, de, tu sais, des fois ça bug et tout. En pré-saison aussi, il y a beaucoup de d'essais là, qui ont été faits aussi cette saison. Il y a beaucoup de personnel qui rentre, tu sais, de nouvelles équipes de production aussi au complet. On n'a pas été chanceux non plus. Je pense qu'il y a eu un Berry. Oui, il y a aussi le breaker qui est à Laval, une des games, que ça, c'est ce que je veux dire. Pas d'électricité. Hein, on ne peut pas, pas faire grand-chose. Mais l'autre chose que je veux dire aussi, c'est que le nouveau personnel, que ce soit les caméramans et tout, il va avoir aussi plus de ressources cette année pour les encadrer, pour essayer justement que les matchs soient peut-être un peu mieux filmés, puis que ça soit plus dynamique aussi pendant les arrêts de jeu. Là, la Ligue investit aussi là-dedans là, en termes de personnel là, justement, puis des gens là, qui vont s'occuper des matchs et tout. Fait que c'est la Ligue est très au courant de tous ces enjeux-là, puis c'est des choses sur lesquelles on veut beaucoup s'améliorer cette année. Donc, on s'en va sur le haut là, également sur ce dossier-là. On a parlé d'investissement ou d'aide là, à la Ligue. Peut-être te dire là, qu'on a un nouveau directeur général là, à la Ligue nord-américaine. On a vu l'annonce là, dans les dernières semaines, derniers jours. André Brassard, là, qui a été nommé, pour ceux qui le connaissent peut-être, l'ont vu peut-être déjà jouer avec les Roadrunners de Montréal, l'équipe de hockey dans les années 90. Parce que moi, je m'en souviens. A été repêché dans la LNH également, donc... On a pu voir jouer peut-être là, les plus vieux s'en souviennent dans ces années juniors, peut-être professionnelles. Donc, ouais, est-ce que tu pourrais nous parler de lui? Pourquoi cette nomination, Jessie? Ben, d'un, quand on a affiché le poste, je pense que c'était au début de l'été. Ça a été long, hein, finalement, avant que je prenne ma décision. Mais non, c'est que je voulais me préparer à ce que j'anticipais qui était pour arriver. Quand moi je suis arrivé en poste, moi c'est ce poste-là que j'ai eu, c'est le poste de la direction générale. Okay? La direction générale, c'est la réglementation hockey. Là.
c'est le gros, c'est le hockey, c'est toute la réglementation de A à Z, c'est les intervenants, c'est les comités de discipline, préfets de discipline, comités d'appel, interprétation de la réglementation, application de la réglementation. Donc, c'est tout ça, là, la direction générale de la Ligue nord-américaine. De fil en aiguille, moi, on m'a demandé de prendre le poste de commissaire par intérim parce que un poste de commissaire, habituellement, c'est un poste de développement. Donc, c'est la personne qui va aller au-devant pour aller présenter le projet qui est une ligue de hockey professionnelle. Puis aller serrer des mains, puis faire du positionnement stratégique. Fait que c'est très business. Fait que là, je l'ai dit 150 fois, là, mais je vais vous le répéter en primeur. OK? C'est sûr que c'est difficile quand tu es dans un dossier d'appel sur une suspension une semaine, puis que dans l'autre semaine... Tu es sur un dossier business avec tes propriétaires, tes partenaires propriétaires et gouverneurs de la Ligue pour faire avancer des choses. Ben, ça se peut qu'il y en ait un ou deux qui soient fâchés contre toi, même si tu n'as pas rapport là, dans la décision finale ou c'est pas toi qui l'as donné le coup de bâton, là, t'sais, ou c'est pas toi qui l'as donné la mise en échec par derrière, mais on est comme ça, les humains. T'sais, puis en plus, c'est que notre sport est tellement émotif que tu sais, le fameux là, 24 heures pour décompresser avant de parler à quelqu'un ou d'envoyer un courriel ou de lever le coup de téléphone, là, ben, tu sais, c'est pas que ça n'existe pas, mais mettons qu'il ne dure pas 24 heures. Ben, on dit que notre ligue, c'est une ligue d'émotion. Ça va avec ça, je pense. C'est de l'émotion. C'est de l'émotion à partir de A à Z dans notre ligue. Puis, sais-tu quoi? C'est ça que j'apprécie. C'est que moi, là, ces gens-là, là, on va parler des 6 concessions qui étaient là avant, parce qu'évidemment, les deux nouvelles ne l'ont pas encore vécu, malgré que je les sens très émotifs à l'occasion. Ils ont joué juste 4 games hors concours. Là. Mais ceci dit, c'est à cause d'eux que cette ligue-là est encore là. Fait que moi, là, en tout respect pour ces gens-là, ben, mon objectif était de trouver une solution pour que moi, j'avais le goût de la faire progresser. Puis en même temps, je ne pouvais pas me mettre entre le Jesse Girard qui développe. Puis là, excusez-moi, je parle de moi, la troisième personne. Ce n'est pas ça l'idée. Là, mais c'est... Puis le moi côté hockey, mettons, qui était côté opération hockey avec la direction générale. Fait que si je voulais qu'on fasse progresser cette ligue-là, il fallait prendre une décision. Puis ça a été long avant que je me décide, mais il y a un ou deux événements là, qui m'ont comme donné le j'avais pas le choix. Puis aujourd'hui, je regrette zéro la décision. Peut-être qu'il y en a qui vont être surpris, mais on reçoit des maudites belles candidatures quand on ouvre un poste dans la Ligue nord-américaine, peu importe le poste qu'on ouvre. Il y a vraiment des belles personnalités qui ont appliqué sur le poste de direction générale. Ça n'a pas été facile. J'ai eu l'opportunité de parler à tout le monde minimum une fois. Je vais faire attention, là. Il y en a peut-être un ou deux que j'ai laissé de côté parce au nombre qu'on avait. Là. Puis après ça, ben là, j'ai répété une deuxième fois pour certains. Puis André s'est avéré être, selon moi, le bon candidat pour la situation d'aujourd'hui. Peut-être que si la situation avait été différente, si on était rendu ailleurs complètement, si on... Ça aurait peut-être été quelqu'un d'autre, mais dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui, je trouve qu'André, il est rendu là, dans son processus professionnel, dans sa carrière. C'est un gars d'hockey, là.
te le cacheras pas. Il est toujours resté dans le hockey. Il a occupé des postes importants au niveau d'un équipementier, du plus gros équipementier au monde, qui est Bauer, dans les dernières années. Doit être un bon pédagogue aussi là, pour pouvoir délivrer avec toutes ces équipes-là. Ouais. Oui, c'est ça, effectivement. J'espère que tu l'as averti et que tu sais qu'est-ce qui lui attend. Bien, en fait, c'est que je suis content d'avoir fait d'avoir eu la chance de faire ce rôle-là et que M. Rousseau m'ait accompagné pendant un an parce que j'ai été capable, je pense, de choisir le bon candidat en fonction des expériences que moi j'ai vécues. Puis, tu sais, ça prend une certaine carapace, là, je vous le dis, là, tu sais. Puis, tu sais, je vous dis, là, c'est pas juste dans la Ligue nord-américaine, là. C'est comme ça dans la MLS, c'est comme ça dans le baseball majeur, c'est comme ça dans la NFL, c'est comme ça dans tous les sports. Ouais. Ce type de rôle-là, c'est névralgique pour le succès des opérations de ton sport, donc les opérations hockey. Malheureusement, des fois, tu dois prendre des décisions qui sont super difficiles. Fait que, tu sais, je pense qu'André m'a démontré qu'il était prêt pour ça. C'est quelqu'un que je connaissais déjà de mon passé. Pas dire qu'on était des grands chums, ça n'a aucun rapport, on était des bonnes connaissances. Je l'ai croisé là, sensiblement très souvent. On est deux gars de la rive sud de Montréal. Il est un petit peu plus vieux que moi. On a eu la chance. Puis moi aussi, là, quand j'étais plus jeune, j'ai eu la chance de le voir jouer. C'était tout un joueur de hockey. C'est une bonne tête de hockey. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de ses opinions non plus. Je suis très content là, de sa venue dans la Ligue. Ça commence tranquillement, évidemment. Ça peut... On ne sait jamais ce qui va se passer vendredi. C'est ça. Monsieur Rousseau, Monsieur Rousseau là, finit son accompagnement, ouais. Là, si on peut dire, cette année. Donc, c'est toi un peu qui va être le mentor d'André Brassard pour la prochaine saison, j'imagine. Ouais, mais je ne suis pas tout seul là-dedans. T'sais, les propriétaires, les gouverneurs, les DG là, qui ont de l'expérience là, dans la Ligue, là, t'sais, des Christian Deschênes, des Bobby Barry, des Bob Desjardins. Puis la nouvelle garde est un peu plus jeune, là, t'sais, Fabien Dubé. T'sais, je veux dire, les gars sont là pour que cette Ligue-là marche. Ils ne sont pas là pour l'inverse. Eux autres aussi vont être capables, je pense, puis je leur fais confiance là-dessus d'être capable d'accompagner André dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, tu sais, dans les différents dossiers qui, des fois, peuvent être un petit peu plus corsés, là. Mais, tu sais, l'idée là-dedans, c'est pas qu'André se retrouve entre l'arbre et l'écorce. Wow. L'idée, c'est qu'il soit le pôle des opérations hockey. Donc, autant au niveau de la réglementation que des discussions avec la direction des arbitres, avec le comité de discipline, si jamais on allait en comité d'appel, mais ça ne veut pas dire que moi, je me dissocie de toutes les décisions, là, dans le sens où on est quand même ensemble, puis avec tout le monde, tu sais, au niveau de la direction de la Ligue, chacun a son rôle, mais à un moment donné, si on sent que quelqu'un, un de nos coéquipiers dans le trouble, ben on est là pour l'accompagner aussi, là, tu sais. Fait que c'est ça. Mais tu sais, de là à dire que je vais être tout seul, j'ai pas assez de bagages dans cette ligue-là pour me dire ouais, ouais, inquiète-toi pas, André, tu vas voir, ça va bien aller avec moi à côté de toi. Non. Tu sais, je pense que tout le monde va participer au succès de ça. Parfait. Ouais, donc, André se lance dans le grand précipice à partir de vendredi. On va être positif. Il doit être excité, par exemple. Je sais pas. De prendre un poste comme ça, tu dois. Dans ta première situation, je sais pas, un petit peu épineuse, je sais pas. Sinon, t'intéresser, j'imagine. Sinon, Seb?
Ah, OK, ouais, non, tout est beau. Fait que, ouais, sinon, je pense que j'aurais un petit problème d'Internet. Je bug. Ouais, non, c'est correct. On le sait, Vidéotron, hein? Non. sinon, en terminant, Jesse, parce qu'on ne veut pas trop prendre de ton temps non plus, je dirais, si tu avais un message à lancer pour quoi? S'il y avait peut-être d'autres nouveautés, peut-être avant, je ne sais pas s'il y avait d'autres nouveautés qui étaient prévues là, pour la prochaine saison. Je regarde ma liste, seulement. Ouais. Ouais. Un petit dossier. Oui, parce que de toute façon, on a pas, à un moment donné, c'est que ça va sortir, fait qu'on est aussi bien nous autres même de le sortir. C'est qu'on travaille sur un projet actuellement qui est un projet de fin d'année. Ça fait longtemps que les gens me parlent de match des étoiles ou de ci ou de ça. Tu sais, moi, j'étais un petit peu frileux par rapport à ça. Si le match des étoiles dans la Ligue nationale avec des millions de dollars est pas très, très couru, mettons. La cote ces jours-ci. Ouais. Je ne suis pas sûr que nous autres, ça marcherait très fort. Puis ça n'a aucun rapport avec l'implication des gens et l'implication des joueurs. Ça reste le contexte. Puis moi, dans mon objectif, à un moment donné, je me suis toujours dit, il y a quelqu'un qui l'a appelé la Ligue nord-américaine. À un moment donné, il va falloir vraiment agir comme une Ligue nord-américaine. Fait que c'est à nous autres, ça nous appartient. C'est notre marque de commerce. Fait que de là pourquoi on peut utiliser la Nord, puis de là pourquoi je pense qu'on peut avoir une vision beaucoup plus nord-américaine. Fait qu'on est en train de réfléchir vraiment à un événement de fin de saison qui, dans un premier temps, regrouperait les meilleurs joueurs disponibles de la Ligue nord-américaine. Donc, c'est ce côté-là où on viendrait chercher notre côté étoile, si on veut. Puis là, on est en discussion là, avec les autres ligues mineures professionnelles à voir ce serait quoi l'intérêt de recevoir chez nous dans une formule mini-tournoi. Fin de saison. Puis, tu sais, là, c'est là où on viendrait faire appel à... Puis, tu sais, je le sais, là. Puis, tu sais, il y en a qui me disent, « Ouais, mais tu sais, les gars de la Ligue nord-américaine, ils aiment ça quand ça commence tard, puis ils aiment ça quand ça finit tôt, tu sais, puis... » Ouais, OK, mais on dirait que je le crois, mais à moitié. Parce que c'est pas vrai que les gars de la Ligue nord-américaine, nos vétérans de la Ligue nord-américaine, ils viennent à reculons à l'aréna pour jouer une game de hockey. Il n'y en a aucun là-dedans qui joue pour l'argent. Là. Tu sais, je veux dire, même si les gars, c'est des beaux à côté, là, on ne se le cachera pas. Il faut de la passion là, pour jouer. Là, voyons donc. Les gars qui faire de la route. Tu sais, à un moment donné, il faut être réaliste aussi. Fait que là, c'est là où je vais user de mon bagage marketing puis de mon côté émotif pour éventuellement peut-être convaincre nos meilleurs joueurs de faire partie de ce genre d'événement-là. Bon, l'idée là-dedans, c'est vraiment pour faire rayonner qui on est, pour faire rayonner le hockey professionnel mineur. On a des opportunités. À un moment donné, les réseaux sociaux, il faut s'amuser avec ça. Là. Moi, je lis beaucoup, je regarde tous les réseaux sociaux de tout le monde. Je ne me prononce pas. Je l'ai fait aujourd'hui. Là. J'ai repartagé la pub. Puis d'habitude, je ne le fais pas parce que je ne veux pas que mon environnement immédiat se mette à. Là, mais ma mère, elle a écrit, elle a passé un commentaire. Ma cousine a passé un commentaire. Fait que, on va te sentir. Ouais, c'est vrai, j'ai vu que tu avais écrit que c'était pas ta meilleure photo, mais j'aimerais ça te conseiller, peut-être, Jessie, d'aller voir faire un shooting là, photographe, là, parce que les photos de Jessie Girard, il n'y en a pas beaucoup, à part peut-être quand il y a des mises au jeu protocolaires. Ouais, puis on me reproche de jamais rire.
Il y a ça aussi. Ouais. Quand tu as remis les trophées de fin de saison aux mises au jeu protocolaire l'an dernier, j'ai dit, Colin, tu es capable? Oui, Julien, non, mais c'est okay, des bonnes photos corporate. Ben, c'est ça. Fait qu'on est là actuellement, on travaille, on planche sur ce type de projet-là. Écoute, si ce n'est pas cette année, ce sera l'année prochaine. C'est pas, l'objectif, là, c'est pas. C'est pas là, à court terme, là, c'est un incontournable. Là. Oui, je pense que ça peut devenir un incontournable, mais mon point là-dedans, c'est que je pense que ça peut devenir hyper intéressant pour le produit. Sais-tu quoi? C'est pas juste pour le produit de la Ligue nord-américaine. C'est pour là. Puis là, nous, on est une catégorie dans la catégorie professionnelle, mineure professionnelle, mais en bas de nous, toutes nos ligues partenaires, senior, semi-pro, comment on les appelle, ça va faire rayonner tout le monde, ce type de projet-là. Peu importe les clubs ou les ligues qui seront invités à y participer. Fait que, tu sais, on est là, on planche, ça fait longtemps que je l'ai dans le collimateur. Ouais. J'ai fait avancer des choses tranquillement. On a fait avancer des choses tranquillement, je ne suis pas tout seul. Puis comme je vous ai dit, l'objectif est à court moyen terme, mais ça pourrait facilement devenir un petit peu plus moyen terme, long terme. Mais l'idée là-dedans, c'est de voir quand les étoiles vont être alignées, on va foncer. Mais on l'a, on y pense, puis on travaille dans ce sens-là, beaucoup, beaucoup. Donc les possibilités sont énormes pour la Ligue. Possibilité d'un tournoi, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On lance-tu les bâtons sur la glace pour faire les équipes? Il y a n'importe quoi. Ça pourrait être les équipes professionnelles à travers l'Amérique du Nord. Ça te parler aussi peut-être le hockey senior au Québec. Là, ça pourrait être... c'est vaste. Là. Le projet est embryonnaire. Puis oui. On va continuer de travailler là-dessus. Là. C'est ça qu'on peut en... Je pense que l'idée là-dedans, c'est d'attirer les meilleurs joueurs possibles. Donc, si tu veux attirer les meilleurs joueurs possibles, il faut qu'on parle d'un projet qui va être dans une formule un peu plus équipe d'étoiles de ligue. Là. Donc, les ligues dans le mineur professionnel en Amérique du Nord, là, il n'y en a pas énormément. OK? On va pouvoir peut-être régler quelques débats là, sur quelle ligue est la meilleure. Ouais. effectivement, ça pourrait peut-être régler des dossiers assez rapidement. Mais c'est ça. Donc, on est vraiment dans ce processus-là. Puis moi, par contre, il y a une chose, là, je veux juste être quand même très clair. L'idée, là, c'est... Puis je sais, là, tu faisais un gag, Seb, là, c'est pas... Mais l'idée... C'est pas que ce soit quelque chose de hockey libre, là, où on joue dehors, ou c'est sérieux. C'est un événement sérieux avec des partenaires sérieux. Les ligues qui vont décider de rejoindre ce projet-là vont envoyer leurs meilleurs joueurs potentiellement disponibles à ce moment-là. C'est ça l'objectif. Puis évidemment, l'idée de le faire ici, c'est qu'on reste le berceau du hockey, là, le Canada, entre autres notre pays, le Canada, mais le Québec, je pense qu'actuellement, il y a vraiment une ferveur pour le hockey, nommé de toute catégorie senior confondue, jusqu'aux professionnels mineurs où évolue là, la Ligue nord-américaine. Fait que je pense que c'est de profiter de ce momentum-là aussi beaucoup, beaucoup, là. Good. Sur ces bons mots, David, tu peux y aller avec. Tu peux enchaîner. Ah, c'était simplement là, en terminant, là, si tu avais un petit. Habituellement, on dit ça aux joueurs là, pour les fans de son équipe, mais en tant que commissaire, là, si tu avais un mot à lancer là, ou à donner aux fans là, pour la nouvelle saison qui s'amorce là, ce vendredi, c'est à toi. Tu sais, la Ligue nord-américaine ne se dénature pas. Elle fait juste progresser.
Je sais, comme je l'ai dit tantôt, je lis beaucoup les réseaux sociaux. La Ligue nord-américaine, l'ADN de la Ligue nord-américaine, aujourd'hui, à ce jour, reste le talent, la vitesse et la robustesse. C'est très difficile de jouer dans la Ligue nord-américaine. Il n'y a pas beaucoup d'espace dans la Ligue nord-américaine. Mais le fait que beaucoup de joueurs talentueux au cours des dernières semaines, des derniers mois, des dernières années aient décidé de joindre la Ligue, c'est pour une raison, c'est la qualité du spectacle qui est offert. Fait que pour moi, on va toujours aller, on s'en va dans cette direction-là. On veut faire progresser les choses. Évidemment, on arrive avec deux équipes d'expansion. Je n'ai pas de boule de cristal. Donc, je ne sais pas comment la saison de ces deux équipes-là va aller. Mais c'est important. Il y avait Christopher qui demandait c'est quel logo des nouvelles équipes que tu aimais, par exemple. Le que je préférais des deux? Oh, ouais. Non. J'adore les deux. T'es pas obligé de répondre. Non, c'est bon. J'adore les deux. J'adore les 8 logos de la Ligue. Et le 9e aussi, celui de la Ligue. Mais tu sais, c'est ça. Je pense qu'on est en pleine progression. À certains égards, on peut demander à nos partisans d'être patients dans tout ce qu'on est en train de travailler en dehors de la game de hockey. Mais la game de hockey reste... Écoutez, les games hors concours que j'ai vus, j'ai eu la chance d'en voir plusieurs. Le niveau de vitesse est déjà très élevé. J'ai hâte de voir à Noël. Puis on n'en parlera même pas en séries éliminatoires. Ça va être extraordinaire, là, le niveau là, de cette ligue-là. Donc, je pense que l'objectif est là. Puis on a un objectif, la Ligue nord-américaine, d'être les leaders du hockey professionnel mineur. Puis on s'en va vers ça. On veut continuer à progresser en ce sens-là. Fait que, puis en passant, quand vous me voyez à l'aréna, ben, vous avez le droit de me saluer. Message est lancé. Là, tu ne parlais pas à nous autres, là, tu parlais aux partisans. Non, mais vous autres. Vous écoutez, là, hein, Jesse. Nous autres, on se texte tout le temps. Là. On se salue à tous les jours. Donc, si vous croisez Jesse, même si des fois il n'a pas toujours le sourire, là, c'est peut-être un air qui se donne. Vous pouvez aller le voir, il est très gentil. Il va vous serrer la main à tout coup. Super. Ben merci beaucoup, Jesse. Et on va se souhaiter une bonne saison 2024-2025. Je pense qu'on t'a reçu aujourd'hui. C'est très intéressant. On voit que la Ligue progresse. On va toujours vers le haut. Puis, c'est des bonnes nouvelles. C'est juste des bonnes nouvelles. Merci, les gars. Bonne saison à vous. Yes. On se parle demain. C'est bon. Salut. Bye. Donc, Jesse Girard, commissaire de la Ligue nord-américaine de hockey, qui était avec nous. Donc, une bonne... on disait qu'on allait raccourcir le format, David. On a quand même eu une bonne discussion. On a jasé. Il y avait beaucoup de nouveautés quand même. Je pourrais peut-être même rajouter le 50-50 LNH là, qui, cette année, va être dans toutes les arénas également avec des machines. Je pense peut-être pas toutes les arénas, peut-être 6 sur 8. Je sais pas. Je sais qu'en tout cas, si vous avez été à une partie là, en pré-saison, on a des gens avec des machines qui ont été dans certaines arénas, pas toutes. Ont été depuis 3 semaines, là, il y a des tirages, ont été dans une équipe, deux. Donc, imaginez, il y a eu un premier tirage, là, presque 2 000 $ là, le gros lot. Donc, ça promet là, quand toutes les équipes vont s'y mettre. Je vais mettre le petit ce code QR que vous pouvez scanner là, en ce moment pour le tirage numéro 4 et vous reconnaissez le logo. Donc, on pourrait peut-être parler, David, là, de cette première fin de semaine là, de match qui s'annonce
Palpitant, on va commencer d'ailleurs avec une grosse rivalité de Saint-Hyacinthe-Sorel. Oui. Donc, c'est sûr que ça va être intéressant, là, le premier match inaugural à Saint-Hyacinthe. Donc, rapidement, là, Sorel-Saint-Hyacinthe vendredi. Dans le fond, c'est le programme complet vendredi. Sorel-Saint-Hyacinthe. Ensuite de ça, à Thetford Mines, la levée de la bannière. Donc, on reçoit le National de Québec qui vont jouer leur premier match. À Laval, les pétroliers vont recevoir les Marquis de Jonquière. Puis à Rivière-du-Loup, le Cool FM va être en visite chez les 3L. Et seulement un autre match cette semaine, samedi, qui va être le match inaugural, cette fois-ci, du National de Québec à Québec, au Centre Bonheur à l'Ancienne Lorette. Et ça va être les 3L de Rivière-du-Loup qui vont être les visiteurs dans ce match-là. Super! Donc, ça met la table là, à ce bon week-end, ce premier week-end dans la Ligue nord-américaine. Et nous, David, on va se revoir la semaine prochaine. Yes. Même heure, même poste, ça commence pour exact. Nous. Exact, c'est parti. C'est parti, nouveau format. On va avoir un invité par émission, on vous le rappelle, un format un petit peu plus raccourci, des nouvelles au début. Là, c'est sûr qu'on on va y revenir. C'est sûr qu'il va y avoir des choses à parler là, avec ce premier week-end de match. Donc, sur ce, on va vous souhaiter une bonne saison 2024-2025. C'est parti. C'est parti pour nous, David. C'est parti pour les partisans. On va souhaiter une bonne saison et du bon hockey. Et faites attention à vous. Au retour à la maison. Au revoir. Bonne saison tout le monde.